Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, c'est le plus important ça, c'est comment vous allez. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de Le Mans Classique, donc c'est parti. Alors là je vais sur Le Mans, donc on va croiser quelques belles voitures, donc je vais essayer de faire des petites captures d'écran pour vous montrer les voitures en gros plan, parce que quand on dépasse, c'est pas évident de les voir. Comme celle-ci par exemple. J'ai fait une petite halte dans Le Mans et j'ai fait deux rencontres que j'ai pas inclus dans la vidéo. T'as combien? 1400. Ah yes. Merci, c'est gentil. Alors après je me suis dit pourquoi je lui ai dit merci, c'est gentil. Il fallait simplement je lui dise au revoir. Il m'a dit simplement que c'était un gros cube. Il m'a demandé la cylindrée. Et moi je lui ai dit merci, c'est gentil. Bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Alors là, je vais croiser une fille, vous allez voir. Elle me fait une proposition limite indécente. Mais vraiment, limite indécente. Alors, âme sensible, surtout pas regarder cette partie-là. Parce que j'aurais dû mettre un petit carré blanc, d'ailleurs. Mais elle me fait une proposition quand même assez alléchante, quand même. Hein, j'ai quand même... Franchement, je vous vois venir. Je vais quand même réfléchir à la proposition. Franchement... C'est même maintenant j'y pense encore et je me demande si j'aurais pas dû accepter. Comment? Ouais bah je vais réfléchir. Je vais réfléchir, ouais c'est. Ah. Ouais, je vais réfléchir. Ça coûte aujourd'hui, ça vaut le coup. Ouais, ouais, effectivement. Non, elle est belle, franchement, elle est belle. Je vais réfléchir. Bah, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir. Elle est belle. Bon, échange. Ouais, mais. Ça vaut le coup. Ouais, mais je suis en réflexion, là. Je suis en réflexion, donc je vais réfléchir un peu. J'ai même eu la compagnie, avec le bon aujourd'hui, t'inquiète, ça vaut le coup. Bonne soirée, encore. Merci, bonne soirée, au revoir. D'où Jésus, je n'ai jamais entendu un tel blasphème. La proposition était très alléchante. Et franchement, une trottinette contre ma moto. Et en supplément, elle a surenchéri en mettant un paquet de clopes avec. Même si je ne fume pas, bah c'est un plus. C'est vrai que ça m'a empêché de dormir, ça. Je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être dû accepter. Comme dirait Jean-Marie. Jean, au secours! Oh, je m'en lasse pas. Bon, allez, je vais arrêter mes conneries. Il est drôle. Il est très fin, vous savez, très spirituel. Donc on continue la progression. Là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On y va, là on va s'approcher de belles bagnoles. Allez, c'est parti. Presque. C'est cela, oui. 0 à 100 in 2 secondes. Los geht's. Schumacher. Alors là les amis, c'est du lourd, c'est du très lourd. J'ai pas une McLaren, j'en ai pas deux, j'en ai trois. Il y a quatre belles voitures, j'ai pas identifié la voiture en tête de cortège, mais elle doit coûter très cher aussi. J'avais à peu près 1 million d'euros devant moi. Donc ça se passe de tout commentaire. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo, j'ai mis la vidéo au ralenti. Je vous montre ça. Had to know how we had our free shows. Sipping on pros, margaritas. We kept it hot like heaters. Sneakers, I guess you could call us creepers. We both had beef with secret codes. Tap them in, see what's happening. Hit me back up at 10. I'll meet you down in the West End. This girl was foxy, had
that ill, nah nah. Loved it when she called me papa, ha ha. But she was married to the mob, man, chances were slim. She sleeping with me, he thought she was faithful to him. She fell deep, deeper, deeper in love. It was supposed to be a secret, slipped up and told her cuz. Now me and Big Dude standing face to face. He got back up for days, crew all over the place. But betrayal outweighs it all, a quick phone call. Even in front of my eyes, I couldn't believe what I saw. Bang, bang, two shots in the head. Bang, bang, nothing was said. Bang, bang, sent her to a resting bed. Could've had a bright future, now she's dead. Bang, bang, two shots in the head. Bang, bang, nothing was said. Bang, bang, sent her to a resting bed. Could've had a bright future, now she's dead. He was rolling, strolling, had an entire business that he was controlling. Illegal though, he thought nothing could stop his cash flow. Connects with the po-pos, cruise the po-fo. Cherokee, drop deep dish, chromed out 12, tweeters, amp. His shit was loud, diamonds and pearls. Trips around the world, he had stocks and bonds. Saved up for his little baby girls. He was flying high, but he wanted to fly higher. Had $1 million worth of crap, looking for the next. Elles sont magnifiques. 4, fais-nous péter le synthé là-dessus. Vends-nous du rêve, vas-y, 4. Kat, je suis pas sûr que ce soit du rêve que tu dis. Get bigger, now he turns down a pearl of the nine for the trigger. Bang, bang, out the dark. Bang, bang, two shots in the heart. Bang, bang, had a good start. Salut l'ami, c'est quoi une McLaren? Ah, c'est les mêmes moteurs qu'on retrouve dans les tracteurs. J'ai une boîte 6, j'aurai peut-être pas besoin de passer la 6ème. Je te laisse 3 km d'avance, on se rejoint au bout de la ligne droite. Je commande un café le temps que tu arrives en espérant qu'il ne refroidisse pas. Alors si je peux me permettre de te laisser un conseil, oublie que t'as aucune chance, fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon, c'était une petite blague, je vous donne la vraie version. Magnifique, elle est superbe. Alors je suis pas sûr qu'il ait tout à fait tout compris, mais bon, il a bien compris que je trouvais sa voiture magnifique. Regarde ça, regardez ça en bleu, comment elle est trop belle. Et alors l'arrière est vraiment mastoc. Quand tu vois la taille des pneus, c'est quand même assez impressionnant. Vraiment une très très belle voiture. Regarde-moi ça. Et en tête de cortège, j'ai pas. Tiens, voilà, là, cette voiture-là, j'ai pas identifié ce que c'était. Mais je crois, ça se trouve, c'est une McLaren. Il n'y en aurait peut-être pas 3, mais 4 peut-être. Alors je pense pas que ce soit une McLaren. On dirait une espèce de Corvette l'arrière, mais je suis pas sûr. Alors je pense que c'est une Corvette. Pas certain, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez identifié cette voiture. Alors j'ai pas une McLaren moi, mais j'ai un Z14R, c'est sûr, on n'est pas du même monde. Mais il faut se contenter de ce qu'on a, et déjà d'avoir une bécane, c'est déjà voilà, c'est déjà du bonheur. Alors là on se dirige sur un âge, donc on va aller voir les voitures encore de plus près. Ah tiens, ça c'est une moto que je connais bien, ça. On dirait la moto d'un youtubeur. Alors je pense pas que ça soit lui, qui s'appelle 17 Nubian, voilà sa chaîne. Et franchement il fait des essais moto, scooter. Voilà, je suis abonné à sa chaîne, je suis ses vidéos. Lapin Décime aussi. Pareil, je lui passe un petit bonjour. Il a un 800 VFR aussi, magnifique. Il fait des vidéos, des belles balades. Regardez ce qu'ils sont. Il fait des balades. On apprend énormément de choses dans ses vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, il vous abonne. Alors avant qu'on arrive sur Arnage, je suis un grand consommateur YouTube, principalement des chaînes effectivement consacrées à la moto, mais pas que, j'aime aussi un peu tout ce qui touche l'aviation, comme je suis la chaîne Aldo. Effectivement c'est un commandant de bord qui explique comment fonctionne un avion, l'ILS, tous les crashs aériens et tous les accidents, enfin il décortique un petit peu tous les accidents. Et bien sûr ce que je regarde à 99,9%, c'est les chaînes sur la moto. Donc je suis Carlos 75 et Carlos 75, je lance un appel, j'attends impatiemment ta nouvelle vidéo. Le Brélon Doc, pareil, des super paysages, des super belles balades, enfin voilà, je kiffe. Dominique Huté, pareil, des super belles balades, les 125 du 61 aussi que je suis.
Et puis Tom Rider 09 qui est un Sartois et qui j'espère va refaire des vidéos prochainement. Donc n'hésitez pas à aller voir ses chaînes et vous abonner. VLF, c'est une référence. Je profite de la même occasion avant qu'on arrive sur Arnage déjà de remercier mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Et vous, oui, vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Alors pour finir, en parlant d'abonnés justement, je tenais à le faire dans cette vidéo, remercier principalement un abonné, mon premier abonné qui s'est abonné justement à ma chaîne. Et merci pour son soutien, sa fidélité, il m'a toujours envoyé des messages et il est toujours présent depuis un an. Donc merci à lui et puis merci à tous mes abonnés. Bon, finalement j'ai accepté le paquet de clopes. Elles sont trop bonnes ces cigarettes. Bon, avec le casque c'est pas évident. Ces cigarettes les gars? Mais vous fumez monsieur? Oui c'est vrai, je fume en conduisant. Mais c'est que du tabac. Donc là les amis, on est sur Arnage, donc déjà on voit une petite Porsche rouge. Plutôt... les amis, donc voilà une Porsche Maserati. On va approcher de la belle voiture. Et là regardez ce qu'il y a, c'est, je crois que c'est une TVR, quelque chose comme ça. Regardez comme elle est magnifique cette voiture, vraiment une belle peinture. Et là on va approcher de la Skyline, une Skyline GTR. Celle-là c'est une version full carbone, donc ça doit être à un 3.6 ou 3.8 biturbo. J'avais un Mazda RX-7 motor automatique, donc je connais un petit peu les japonaises. Une Ferrari Testarossa, donc aussi à plat. Ça marche bien aussi ça. Là, on a les petites anglaises. Vous voyez les traces de pneus là? Vous allez voir, il y a le petit spectacle sur Arnage souvent. Une Ferrari. Ah, j'ai un bruit pas terrible moi. On a retrouvé Magnum. Alors là les amis, je me suis installé là, parce qu'il y a souvent, on voit souvent des belles voitures et puis là qui font un peu chaud, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà où se passe le spectacle. Donc vous avez un public à droite au bar et vous avez un autre bar à gauche où on est passé tout à l'heure. Un autre public là, et il faut savoir que quand je suis reparti, pareil, ils étaient tous chauds et tout pour que je fasse une petite accélération. Ça je ne l'ai pas filmé parce que malheureusement j'avais plus de batterie, il me restait plus qu'une batterie que j'ai utilisée pour le retour avec la Bentley, ça on y reviendra plus tard. Franchement c'est plutôt bon enfant, hein. Après vous jouez le jeu ou vous jouez pas le jeu. Alors vous allez voir un burn en direct avec une super belle bagnole, suspense. Ah, ils sont chauds, hein. Malheureusement, j'ai pas pu tout filmer, c'est dommage. Mais il restait plus qu'une batterie que j'ai préféré garder. Donc, j'ai un moment, j'ai arrêté. J'ai préféré garder pour le retour. D'ailleurs, vous allez voir l'histoire avec la Bentley, je vous avais parlé dans la vidéo antérieure. On y reviendra à la fin. Et notamment, il y avait beaucoup de chaud. Et notamment, il y a un moment, il y a un gendarme qui passe en moto. Et les gars du bar, le public, là, ils l'ont chauffé à fond en lui disant « Le Giro, le Giro !» Et en fait, le gendarme s'est exécuté, il l'a fait. Et tout le monde était content, il gueulait, il rigolait.
Malade. Malheureusement, j'ai pas pu tout filmer. Déjà, j'ai deux batteries qui sont tombées en rade et j'ai filmé dans le vent. Et puis, il me restait plus qu'une batterie pour le retour. Enfin, c'est vrai que c'est frustrant parce que j'aurais aimé partager ça avec vous. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses sur Arnage, donc j'ai vu un petit morceau, mais malheureusement, comme les batteries, je pense que c'est filmé. Finalement, j'ai filmé dans le vent, donc voilà. Il y a aussi quelqu'un, je vais pas revenir à tout ce qui s'est passé sur Arnage parce que de toute façon, ça sert à rien, j'ai pas le contenu. J'ai aussi une personne qui est venue voir, un gars qui me dit ouais, votre moto elle me dit quelque chose, machin. Je dis bah peut-être, vous m'avez peut-être vu sur YouTube peut-être. Et il a regardé ma chaîne, il me dit ah oui, mais oui, je connais et tout. Alors, ça fait toujours plaisir. Donc il a pris une photo avec moi. Ouais, bah j'y écoute, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Et aussi, il s'est abonné, donc je lui passe un petit bonjour d'ailleurs. S'il regarde cette vidéo, je pense qu'il va la regarder. Alors, je m'apprêtais à partir et j'étais sur une deux voies, donc il n'y avait personne en face. Donc, et malheureusement, la tornite du poignet est arrivée. Donc, incontrôlable, quoi. Et là, j'avais pas fait attention, mais il y avait la Bentley qui était derrière moi. Et je pense qu'on devait avoir la même maladie tous les deux. Alors, je vais pas faire l'apologie de la vitesse sur cette chaîne, même si j'en pense pas moins. Il faut faire attention à ce que l'on montre sur YouTube. Vous allez vous faire votre propre scénario, vous allez faire votre imagination. Alors vous allez voir un début avec la Bentley et une fin avec la Bentley. Entre les deux, je ne l'ai pas montré bien sûr dans la vidéo, vous imaginez ce que vous voulez. Vous faites votre propre scénario comme je disais. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il était très chaud et plutôt beau joueur, plutôt sympa. Et d'ailleurs il m'a fait un appel de part chose qu'on ne voit pas dans la vidéo. Juste avant de doubler. Donc à vous de faire votre propre scénario. Je voulais relever aussi un challenge qu'un abonné m'a demandé, si je pouvais inclure du tonnerre mécanique dans ma vidéo. Chose que justement j'ai fait entre la Bentley, le petit morceau qui est au milieu, donc forcément j'ai pas mis, voilà, pour des raisons diverses. Donc j'ai fait un petit montage avec le tonnerre mécanique. Donc ça va vraiment bien avec la vidéo et avec la Bentley, quand vous comprendrez ce que vous voulez. On va se quitter là-dessus les amis. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Faites attention à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Jesse Mac, un motard de la police. Il a été blessé au cours d'une opération. Recruté ensuite par les services secrets de son pays pour piloter le tonnerre mécanique, engin d'une conception révolutionnaire capable de dépasser les 500 km/h. Un seul homme, l'agent fédéral Tuttle, est au courant de la fonction exacte de Jesse Mac, seul capable de dompter le tonnerre mécanique.
débarque de cette machine à dans le ventre. Calme-toi, tu vas encore te faire attraper pour excès de vitesse.